Une mine de charbon en plein Paris. Voilà le stand étonnant qui fut inauguré au printemps dernier sur les bords de la Seine dans le cadre de l'exposition du centenaire de l'industrie minérale. Les Charbonnages de France avaient reconstitué fidèlement une mine munie des perfectionnements techniques les plus modernes. Entre les Invalides et le Grand Palais, le visiteur brusquement s'enfonçait dans de véritables galeries où des mineurs de fond présentaient la réalité de leur métier. De vrais perforateurs, des haveuses authentiques, fonctionnaient réellement devant des spectateurs de tous âges. Pour la première fois en France, le public féminin pouvait visiter une mine. En effet, jamais ou presque jamais, une femme ne peut descendre dans une galerie. C'est une tradition qui fait force de loi. Au travers des étançons, de la lampisterie jusqu'au front de taille, les visiteurs ont pu connaître le décor d'une des plus grandes aventures de l'homme et discerner les travaux et les peines de ceux qui vont chercher au fond de la terre le combustible le plus précieux, le charbon. Enfin, Sainte-Barbe, patronne des mineurs, était là pour parachever l'exactitude de cette reconstitution.